Ce résumé vous est proposé par Nissan. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. De qualité hein, dans ce 11 de base pour Inzaghi, c'est quelque chose hein, cette formation d'Aladio. Pas pour rien qu'elle en a mis 3 aussi, on le rappelle à Dortmund. Attention à ce ballon et Mignolet une fois, il n'y aura pas de deux fois, c'est 1-0. Aïe aïe aïe, 11 minutes à peine et encore une fois, comme à l'aller, ce diable de Correa. Ah bah ça a été trop facile tout simplement, ouais. Xavier. Ouais, avec mais une superbe action de Correa là, qui laisse passer le ballon. Kosunu et Mata qui sont complètement aspirés et trompés par ce ballon. Et là, cette frappe de Luis Alberto, bon, pas grand chose à faire pour Mignolet, je trouve. Allez, Van Aken à la touche. On attend le premier danger brugeois. Petite feinte du soulier d'or, Lang. Encore et toujours, il y a moyen de frapper, Lang. Il le fait bien d'ailleurs. Et le deuxième ballon, c'est goal. Oui, c'est goal. Et c'est Ruud Vormer. Magnifique ça. 1-1. Oh là, il n'a pas fallu attendre longtemps pour avoir cette réaction du club de Bruges. Et elle est déjà là, via son capitaine Vormer. Lui qui avait été exclu l'année dernière en Ligue des Champions au Real Madrid. Il marque et pas question de parler du hors-jeu. Hein. Non, tout à fait. Petit problème d'alignement là dans la défense de la Lazio, mais superbe action de Lang là où il est fort. C'est évidemment une de ses forces quand il est posté sur le flanc gauche, c'est de rentrer dans l'axe et de frapper sur son bon pied. Attention, récupération haute là. Ouais, avec notamment Noah Lang. Il y a du monde, c'est du 4 contre 4. Il faut bien gérer ça. Ah, ça passe à côté de Kettelaar. Ouais. Dommage. Ouais, dommage. Hein. Récupération dans le dernier tiers de la Lazio par Lang. Là, de Kettelaar qui fait le choix de tirer. Le choix qui n'était pas forcément le plus facile, mais qui ne passe pas loin. Quand on voit ça, ça passe franchement à côté. Il était battu, hein, Reina. Ouais. Voilà. Parce que Xavier, que les choses soient claires, hein, si Bruges se qualifie, tout le monde est ravi en Belgique, on parle d'exploit. Si la Lazio ne passe pas ce soir, c'est un échec cuisant hein, pour Inzaghi. Attention là, attention, il donne pénalty. La faute de Mata. Mata qui n'y croit pas et qui va directement demander une explication à l'arbitre encore immobilier, qui a l'art d'aller chercher ses pénaltys aussi. Hein. Décidément. Alors, Simon Mignolet, c'est le moment, c'est l'instant pour prouver qu'il est l'un des meilleurs gardiens d'Europe et il ne va pas aller la chercher malheureusement. Le but d'immobiliser et on n'a pas vraiment envie de s'enthousiasmer parce qu'on se dit que c'était évitable. Autant le premier était évitable, autant le deuxième l'est plus encore, Xavier. Oui, surtout il intervient au pire moment pour les Brugeois qui dominaient ce match, on peut le dire. Et là, ça risque de leur couper les jambes. C'est lui d'ailleurs Immobile qui écarte sur la droite pour Lazzari. Lazzari face à Sobol. Lazzari va chercher. Oula Sobol. Oula Sobol. Ouh. Vous ne faites pas un dessin. Hein. Vous connaissez la situation comme moi. Il a pris un carton après une minute. Hein. Enfin, c'est énorme hein, ça. C'est énorme qu'il ne donne pas le carton, monsieur Tchakir. Ouais. Ouais, là il va la prendre, cette fois-ci c'est la rouge. Ouais, bah écoutez, là c'est inexcusable, hein. C'est impardonnable à ce niveau-là. Il est déjà passé par le petit trou tout à l'heure. Et cette fois-ci, bah, il va la recevoir. Il n'a pas d'autre choix, l'arbitre Tchakir. Mais non, c'est pas encore terminé parce que ce ballon est passé à côté. Correa avec Clinton Mata, Diata encore, le Sénégalais avec Vormer. Il y a du monde, il y a aussi Van Aken en deuxième zone. Ouais, Van Aken, il la met à ce Van Aken. C'est super ça. Et il n'y a pas de faute. Le 2-2, le soulier d'or pour marquer un but synonyme d'espoir
On n'y croit plus que jamais. Allez Bruges, 2-2, un quart d'heure encore. Ouais, superbe action là de Bruges et superbe centre. Un millimétré de Vormer sur la tête de Van Aken. Mignolet ou pas ? Oh ! Je pensais qu'il allait l'avoir. Il réclame un péno d'ailleurs, ouais. Mignolet. Pas terminé avec ce ballon écarté. Okereke, il faut se concentrer. Il faut surtout donner un bon ballon. Et maintenant la frappe. Oh, il tire à côté, Vormer. C'est pas terminé. Ça rentre. Non ! C'est pas possible de Kettelaar. La barre transversale qui vient sauver la Lazio. Ce résumé vous a été proposé par Nissan. Et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.